Méditation du 23 mai, célébrer la grandeur de notre Dieu. Je vais proclamer le nom du Seigneur, Israélite, célébrer aussi la grandeur de notre Dieu. Deutéronome 32, le verset 3 dans la version Bible en français courant. Parfois, quand je prie, j'ai l'impression d'avoir avalé une pilule de tinicilline. Si vous n'avez pas grandi en regardant le Chapulín Colorado, la sauterelle rouge, la série télévisée mexicaine qui parodie les films de super-héros, laissez-moi vous expliquer. Les pilules de tinicilline réduisent le Chapulín à une taille d'environ 20 cm. En priant, je me sens parfois aussi petite que le Chapulín après qu'il a pris une de ces pilules. De quel doigt puis-je me présenter devant le trône de Dieu et faire des demandes aussi prétentieuses? J'entends une voix accusatrice qui me murmure « Demande moins, contente-toi de peu, ne sois pas prétentieuse ». Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Cependant, ce qui compte, ce n'est pas ma taille, mais la taille de Dieu. La Bible nous exhorte à célébrer la grandeur de notre Dieu, Deutéronome 32, le verset 3. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons agir en reconnaissant la taille du Dieu que nous servons. Proclamer sa grandeur implique de lui demander des choses que lui seul peut faire. Plus la demande que nous faisons est grande, plus grande est à nos yeux la personne à laquelle nous nous adressons. Écrit Sujel Michelin dans son article La Oración, la prière. Et il a raison. Vous et moi sommes peut-être aussi minuscules et insignifiantes que des puces, mais nous sommes des puces sur le dos du lion de Juda. Notre taille, réelle ou perçue, n'a vraiment aucune importance. Si nous vivons et travaillons selon sa volonté, nous ne rêvons pas trop grand, écrit Mélodie Mason dans Oser demander plus. De toute façon, il ne s'agit pas de nos talents ou de nos capacités, il s'agit des siens, ajoute-t-elle. Dieu veut faire plus dans nos vies, pas moins. Malheureusement, il arrive que nous ne fassions pas l'expérience de sa présence et de sa puissance parce que nous nous concentrons sur notre propre taille et non sur la sienne. Mon ami, levez les yeux, célébrez la grandeur de Dieu en demandant ce que lui seul peut faire. Prière. Père, il n'y a rien que tu ne puisses faire. À toi appartiennent toute puissance et toute gloire pour les siècles des siècles. Élargis ma vision. Donne-moi une sainte audace pour rêver et demander davantage pour ta gloire et pour l'avancement de l'Évangile. Je te remercie car c'est ta taille et ta puissance qui me garantissent l'efficacité de cette prière. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.